Mais j'y crois pas. Si Max avait été harcelé, on l'aurait vu. Ouais, bah c'est sûr que vous ratez aucune info, vous, en général. Ce genre de truc, non. C'est pas très grand ici, hein. Tout se sait. Pas vraiment, non. Ça dépend si tu veux le voir ou pas. C'est sûr que c'est Jordan. Il m'a limite menacé de mort, s'il te plaît. En même temps, il croit que tu dragues sa meuf. On a juste parlé, hein. Mais justement, lui, un peu con-con. Lui, pas connaître un métier fille-garçon. Justement, c'est pas insubtil. Si on l'a pas vu, c'est que le mec voulait pas que ça se sache. Eh les gars, c'est sûr, c'est pas Jordan, en fait. Si Max était vraiment harcelé, il a dû en parler à Madame Gonzalez. C'est qui, elle? L'infirmière. Alors elle, Maxicone. Elle me met genre une fois sur deux, et elle veut pas changer mon nom sur le dossier médical. Ah, vous avez ça, vous? Et on peut les voir? Je crois pas. De toute façon, elle est déjà partie, là, je pense. Non, on va encore se foutre dans la merde, là. Non mais allez, ils sont en train de bouffer, la personne ne saura. C'est mort. Non, si je mange pas à la cantine, ma mère va appeler les flics. Dans tes rêves. Lia. Non. Allez. Non. Bonjour. Il reste du kick à force. Tu veux? Je viens. Attends, je vais voir. Merci beaucoup. Quoi? J'ai la dalle. Non, mais ça va, j'ai rien dit là. T'as tes règles ou quoi? T'es sérieux de dire ça? Vas-y, c'est toi qui es relou en ce moment. T'es te fous de ma gueule aussi. Quoi tu parles? Le mec, il veut te ken depuis des semaines. Qui? Sohan, je vous ai vu. Il va en redi là, tu joues à quoi? T'es sérieux? Bon, vas-y, tu te saoules là. Tu lui ramènes? Merci. Puce-toi. Non mais Lia, faut que t'arrêtes de mater des films toi aussi. Mais t'es qui en fait? À vous, t'as déjà tué un mec? Non, mais je suis à deux doigts, là. Dépêche-toi! Ça va? J'ai vu que ça allait pas trop avec Jordan. Ça sert à rien, t'inquiète. Tu devrais peut-être pas trop fumer au cas où. Je sais pas, tu fais comme tu veux. On sait jamais. C'est ce que tu penses que je devrais faire? Le garder? Non. Mais je suis pas à ta place. Penser à Max et au fait que ce soit aussi son... Je peux pas, putain, je peux pas. T'as pas besoin de te justifier. C'est ta vie. Ok? C'est juste ton choix à toi. Moi, dans tous les cas, je te suis. Mais ça va aller. Tu sais, putain d'hormones, là. La dernière fois, t'as pleuré devant une chevrette. De quoi t'as envie, là, tout de suite? Voir une chevrette. Il y en a plein là-bas. Hein. Putain, la chance que l'ordi soit resté allumé. En même temps, elle a pas l'air très écolo, cette connasse. Florian... Jordan... Je pense que t'étais pote avec Jordan. En même temps, j'étais pas comme ça avant. Genre calme et tout. Je me battais, j'étais tout le temps vénère. J'étais pas bien, quoi. Et du coup, on s'entendait bien.
Enfin, jusqu'au moment où... Désolé, hein, c'est la fiche de Max. Dépêche-toi. Elle arrive. Non, ici. Merci, mon chéri. T'as pas mangé tes nouveaux amis? Est-ce que tu peux arrêter de dire nouveaux amis à chaque fois? Pas besoin de faire l'historique. Non, mais je m'inquiète. Elsa et Lia, c'est des chouettes filles, oui. Mais alors, ce Soane, tu t'es fait coller à cause de lui. Oui, parce que moi aussi, j'étais en tort. Mais c'est ce que je te dis, mon chéri. Quand t'étais ami avec Romain... Et... Arrête de parler de Romain. Il me déteste, ok? Tu veux savoir ce qu'il m'a fait, ton chouchou Romain? Il m'a enfermé dans un box avec un cheval. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Oui, attends. Je dois y aller. Non mais tu vas où? Bah du coup, aider mes nouveaux amis. Madame Gonzalez, il faut que vous veniez très vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Elsa, elle a fait un malaise. C'est urgent, vite madame, vite, très vite. C'est bon, ils sont partis. Quoi? Putain, je le savais. Max, il s'est pas cassé le bras pendant un match de hand, mais après. Il s'est battu avec Jordan, en fait.